Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de démonstration concernant les SGT, ces fameuses Security Group Tag. Aujourd'hui, je vais tester pour vous cette fonctionnalité Cisco avancée qui vous permettra de contrôler l'accès à votre réseau de manière optimale. Vous en avez assez de vous battre avec des listes monstrueusement longues et ingérables d'access lists? Vous avez à cœur de remettre la sécurité au cœur de votre réseau? Les Security Group Tag sont là pour vous et vous permettront de mettre en place un contrôle d'accès réseau simple, efficace, facilement modulable et indépendant de la topologie de votre réseau. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'architecture que j'ai mise en place dans notre lab pour vous illustrer le fonctionnement de ce Security Group Tag. Donc, c'est une architecture classique d'une entreprise moyenne avec une partie cœur composée typiquement d'un Catalyst 6500 et d'une partie accès avec un 2960 et un 4500. Une caméra IP est branchée sur le 4500 et un serveur est accessible depuis le réseau. Ce serveur est l'ISE, Identity Services Engine, la plateforme Cisco de contrôle d'accès au réseau qui va nous être très utile. Personnellement, je vais me connecter directement sur le 2960 en filaire et me mettre dans la peau d'un employé finance. Le but de cette démonstration est de dérouler un cas pratique typique qui est celui du contrôle d'accès aux terminaux sensibles de sécurité dans le réseau. Donc comme promis, je me connecte en filaire avec mon RJ45 sur mon switch d'accès. J'ai configuré la connexion filaire pour faire de l'authentification en 802.1x supportée par les équipements Cisco. Windows me demande mon username et mon mot de passe, et je me connecte donc avec un compte finance qui s'appelle FiEmployee. Comme vous pouvez le voir, la connexion au réseau a bien été établie. Alors pour commencer, que s'est-il vraiment passé durant cette authentification ? Alors pour comprendre, on va aller directement sur ISE, la plateforme de contrôle d'accès qui gère les demandes de connexion. Donc on arrive directement sur le dashboard, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir la règle qui a été appliquée lors de notre authentification. On va donc dans Opération, Authentication, et on repère ici la ligne qui correspond à notre connexion au réseau. On va afficher les détails, voilà, et en bas, on va voir que le Security Group Tag correspondant au groupe Finance nous a bien été assigné. On va quand même vérifier que ce SGT a bien été assigné à notre utilisateur. Pour ce faire, je vais me connecter à l'interface d'administration du 2960, le switch d'accès sur lequel je suis raccordé avec mon ordinateur et mon username finance. Sur l'interface commande du 2960, j'effectue un Show Authentication Session sur le port sur lequel je suis connecté, à savoir le gigabit 1/0/3. On voit bien que les informations correspondent à ma session de connexion en 802.1x avec l'utilisateur FiEmployee. Et surtout, on vérifie que le Security Group Tag est bien présent. Le SGT3 du groupe Finance nous a bien été assigné comme prévu. Alors, où en est-on au juste? Je me suis connecté en .1x, un SGT m'a bien été affecté en fonction de mon contexte de connexion, et je vais maintenant me pencher sur un use case classique que l'on rencontre quand on parle de contrôle d'accès. Les règles d'accès à des ressources sensibles de type sécurité. Le but ici va être d'empêcher l'utilisateur finance avec lequel je me suis connecté d'accéder au matériel de sécurité représenté ici par la caméra IP. Donc je vais aller sur la console de cet utilisateur finance et j'essaye de pinger la caméra sur son adresse, à savoir 10.190.5.202. Et là, problème, la caméra est bien accessible. Je vais donc maintenant mettre en place une politique afin d'empêcher l'accès à la caméra pour le groupe finance, et ce grâce au SGACL, c'est-à-dire au Security Group Access List. Je vais donc sur ISE puisque tout se passe sur cette plateforme, et plus particulièrement dans la section Policy Egress Policy. Puis je clique sur Matrix pour avoir accès à la matrice des SGACL. Ici, nous avons un tableau avec d'un côté les SGT sources et de l'autre les SGT destinations. Chaque cellule correspond à une SGACL, un ensemble de règles d'accès donc, qui va être appliqué entre la source et la destination en question. Je vais donc créer une règle entre mon groupe Corp Employee Finance et le groupe Corp Bâtiment dans lequel se trouve ma caméra. Je sélectionne ici une SGACL basique que j'ai créée, à savoir Deny All, et je valide. La règle est créée. Il ne me reste plus qu'à demander à ISE de la pousser sur le réseau avec le bouton Push. Voilà, c'est fait et c'est aussi simple que ça. Pour vérifier, je retourne dans ma console et je réessaye de pinger la caméra. Ce n'est plus possible, la règle a donc bien été appliquée.
Ce qu'il s'est passé, c'est qu'ISE a poussé la règle que je venais de créer sur les équipements du réseau. Lorsque j'envoie mon ping, celui-ci passe par le 6500, le switch de cœur que j'ai configuré en enforcement, c'est-à-dire que je lui demande de filtrer les paquets en fonction des SGACL. À ce moment-là, il vérifie la règle correspondante entre mon SGT finance et celui de ma caméra, applique le deny all qui correspond et donc drop le paquet. J'ai donc montré à travers ce use case à quel point il était facile de mettre en place un contrôle d'accès à son réseau grâce au Security Group Tag. Pour conclure, j'aimerais également rappeler que l'intérêt des SGT ne se limite pas à cette facilité de mise en place. Les SGT permettent véritablement de placer la sécurité au cœur même de votre réseau, et ceci dès l'accès. Avec les nouveaux comportements qui se développent dans les entreprises, comme le BYOD et le Guest Access, il ne suffit plus de se protéger uniquement des menaces de l'extérieur avec un firewall, mais il devient primordial d'assurer cette sécurité au sein même du réseau d'entreprise. Les Security Group Tag répondent très bien à cette problématique et offrent une solution indépendante de la topologie du réseau et facilement maintenable au travers d'une simple matrice. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à vous rendre sur la page cisco.com/go/trustsec. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie encore pour votre attention. À bientôt !